in his 50-meter freestyle. Gold medalist and Olympic champion, representing France, Ferrer Amadou. Mesdames et messieurs, l'hymne national de la France. Ladies and gentlemen, the national anthem of France. Mesdames et messieurs, les médaillés olympiques. Ladies and gentlemen, the Olympic medalists.
your heart. Thank you.
França! Eddy Metella! Fabien Gillot! Florent Manodou! Jérémy Stravius. On accueille les finalistes de ce 50 mètres nage libre. Le large sourire pour Florent Manodou au moment de se présenter au bord de ce bassin après ses deux médailles olympiques déjà obtenues sur cette épreuve du 50 mètres nage libre. Et il faudra se frotter au terrible Caleb Dressel pour espérer l'or olympique. Et après... Tout le monde est sur la même ligne. On a vu quand même que Florent était plus rapide dans la nage. Donc je pense qu'on pourra se faire une idée à partir du 25-30 mètres. Et allez Florent. Là, Florent Manodou a amélioré à chaque fois son chrono depuis qu'il est à Tokyo. Peut-être un moment d'histoire pour la natation française. Florent Manodou en quête d'une nouvelle médaille olympique. Oui. Ça part fort pour... Ouais. Caleb Dressel, mais Florent n'est pas loin. Ouais, Florent n'est pas loin. Il n'a pas pris énormément de retard là sur cette coulée. Il est au contact. Alors l'Américain est devant, bien entendu. Florent, il faut le reprendre dans la nage maintenant. C'est quasiment presque acquis pour une médaille. Mais non, ça va se jouer à la touche. Attention, la ligne d'eau numéro 8. Caleb Dressel, le champion olympique. Oui. Florent Manodou en argent. Comme il y a 5 ans à Rio. Voici une nouvelle médaille olympique pour Florent Manodou. Ce sera l'argent une nouvelle fois, mais... Une médaille d'argent qui aura quand même une très belle saveur, on l'imagine, pour Florent Manodou. Lui qui avait mis la natation entre parenthèses. Et oui, regardez la joie du nageur français. Il a réussi son pari, obtenir cette médaille olympique. Derrière l'intouchable Caleb Dressel, la médaille de bronze. Elle est pour le Brésilien Bruno Fratus et Caleb Dressel. On n'a pas encore parlé du chrono.
ça nage 21-07. Ouais, 21-07, là, je pense que Florent n'avait pas les armes et personne d'autre avait les armes pour lutter à ce niveau. 21-55, Florent Manodou, deuxième pour deux petits centièmes devant Bruno Fratus. Et bien, je peux vous dire que ces quelques centièmes, ils sont très précieux. Et on voit le départ. Alors, je ne sais pas s'il se décale volontairement, Florent, là, du côté de Caleb Dressel, ou est-ce qu'il est aspiré dans sa vague. Mais il est encore là, à ce moment-là, à 35 mètres, il est troisième. Et il va revenir sur le Brésilien Bruno Fratus dans les derniers mètres. Regardez cette touche, deux petits centièmes devant. Alors qu'il est... Ouais, il se laisse un tout petit peu glisser sur la fin. Ah, c'est superbe, superbe course. Et puis, il sauve l'honneur de la natation, ouais, il sauve Florent. Un peu la patrie, Florent Manodou, puisque c'est la seule médaille française de ces Jeux de Tokyo en natation. Florent Manodou va monter sur ce podium. Ah, il doit repenser à tous ces moments, hein, qui l'ont ramené ici, sur la scène olympique. Ouais. Voilà, salué par la délégation française. Il y en a quand même encore pas mal, hein, qui sont restés. Il y en a quelques-uns qui ont pu prolonger leur séjour. Et on l'a dit, ce n'est pas la médaille d'or comme à Londres, où il avait bluffé tout le monde. Cette nouvelle médaille d'argent, alors ça lui fait une médaille d'or, deux médailles d'argent au niveau olympique. Eh bien, dans la famille Manodou, on aura à nouveau un enfant avec trois médailles olympiques, puisque Laure Manodou avait fait une de chaque métal. Et trois en individuel, dont une en relais en plus en 2016, Simon, avec cette deuxième place, je crois. Il y a quatre médailles olympiques, exact.